Salut, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo qui va parler de la méthodologie et corriger le sujet d'histoire et géographie type bac. Aujourd'hui, on va faire la méthodologie du sujet de type 1 et 3. Et pour la prochaine vidéo, sujet de type 1 et 3 en histoire. Pour la prochaine vidéo, on va le faire pour géographie. Mais avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de t'abonner et de partager. Ok, super. Pour le sujet de type 1 et 3 en histoire, l'introduction à l'introduction. On y va sur un exemple. J'ai fait un exemple corrigé d'un sujet. Mais là, c'est un sujet de type 1. La prochaine fois, on fera un sujet de type 3. Et vous allez voir comment ça se passe dans la prochaine vidéo. Ok. Sujet de type 1. Le coût économique, humain et moral de la Seconde Guerre mondiale. Introduction. Voici l'introduction. Ici. Lorsque vous traitez le sujet, vous n'écrivez pas introduction, développement, conclusion. Non. On commence directement. On y va à la ligne. La Seconde Guerre mondiale est un conflit qui a opposé les Alliés aux forces de l'Axe. Elle a commencé en 1939 et s'est achevée en 1945 par la victoire des Alliés. Elle a causé d'énormes dégâts à l'humanité. Ça, c'est par définition. Qu'est-ce que la Seconde Guerre mondiale? Là, nous sommes passés par définition. Ensuite, après la phrase d'accroche, après par la phrase d'approche, nous sommes allés à la problématique. Elle est à la problématique. Donc ça, c'est le problème. Le problème. De ce fait, que fut le bilan humain, économique et moral de la Seconde Guerre mondiale? Pour faire la problématique, c'est simple. En histoire comme en géographie, ne vous cassez pas la tête. Sujet de type 1, prenez juste les arguments qu'on vous a donnés ici, les problèmes qui vous est donné ici, en haut du ciel. Vous prenez juste cela. Donc, on a économique, humain et moral. C'est ça, ce que vous amenez juste ici à votre problématique. Donc, de ce fait, que fut le bilan humain, économique et moral de la Seconde Guerre mondiale? Ensuite, après la problématique, nous avons le plan. Pour le plan, c'est aussi facile. Le plan, vous allez dire, ça dépend. Il y a plusieurs formes de. Il y a plusieurs phrases d'approche. Donc, moi, j'ai choisi celle-là. Vous pouvez dire, pour une meilleure analyse de ce sujet, pour une meilleure compréhension de ce sujet, pour un meilleur travail de ce sujet, ça dépend de vous. Donc, pour une meilleure analyse de ce sujet, nous allons tout d'abord parler du coût humain, ensuite économique et enfin le coût moral de la Seconde Guerre mondiale. Ici, vu que nous avons trois problèmes, donc on a pris trois connecteurs logiques qui se suivent. On a là, tout d'abord qui est là, on a tout d'abord qui est ici, nous avons ensuite qui est ici, et nous avons enfin qui est ici, à ne jamais oublier. Lorsqu'on a trois arguments, trois problèmes, désolé. Lorsqu'on a deux problèmes, vous pouvez mettre d'une part, d'autre part. Premièrement, deuxièmement. Voilà. Après le plan, vous sautez deux lignes ici. Donc, ici, vous sautez une, deux, et vous écrivez à la ligne, à la troisième ligne, mais vous revenez à la ligne. Vous voyez comment c'est à la ligne.
Voilà. Et voici ici la phrase chapeau. Ici, on n'a pas sauté les lignes. Hein. Nous sommes juste revenus à la ligne. Voilà la phrase chapeau. La phrase chapeau, c'est ça. Énoncer les arguments que vous allez développer pour le problème. Le problème ici, c'est quoi? Le bilan humain. Donc, le bilan humain de la Seconde Guerre mondiale est caractérisé par les pertes en vie humaine. Donc, dans le bilan humain, nous avons les pertes en vie humaine, un déficit de naissance et un déplacement massif des populations. Voici les trois arguments que je vais développer dans mon travail. Il y a trois arguments. Donc, je dois aussi avoir trois connecteurs logiques distincts. Voilà là-bas. On a d'abord, les pertes en vie humaine est la principale conséquence de la Seconde Guerre mondiale. N'oubliez jamais le connecteur logique d'explication. En effet, là, ça montre déjà au professeur que vous êtes en train d'expliquer votre argument. Ok. En effet, cette guerre a fait environ 60 millions de morts dues à plusieurs affrontements, notamment la durée du conflit, 6 ans. Et voilà, le tralala, le tralala. Ne vous en faites pas, je vais vous mettre le lien du PDF en dessous de la vidéo. Ensuite, là c'est le deuxième argument. Vous avez vu, j'ai encore mis connecteur logique ensuite pour énoncer le deuxième argument. Et ici, j'ai encore mis un connecteur logique d'explication, effectivement. N'oubliez jamais les connecteurs logiques. Cette partie, ce connecteur logique, il montre au professeur que là vous êtes en train d'expliquer votre argument. Ok, effectivement, ici le deuxième argument c'est un déficit de naissance. Voilà, effectivement, 7 femmes pour 4 hommes, ce qui explique cette baisse de natalité. Ce déséquilibre va entraîner le vieillissement de la population, la féminisation de la société et une pénurie des actifs. Et nous descendons quand nous avons ici, enfin. Vous voyez, on a enfin. On a enregistré un déplacement massif des populations. Et ici, j'ai oublié, vous voyez, j'ai oublié le connecteur logique. On ne sait même pas si je commençais à expliquer ou pas. Ici, on va mettre évidemment. Évidemment, connecteur logique d'explication. Excusez-moi. Voilà, super. Évidemment, ces déplacements des populations concernent plus l'Allemagne, le Japon. Et voilà, vous continuez à expliquer. Ensuite, après le troisième argument que vous avez eu à développer, nous passons à la phrase des transitions. Ici aussi, on ne saute pas des lignes. Je vais pas sauter des lignes, je suis juste revenu à la ligne. On ne saute pas des lignes. Donc voici la phrase de transition. Le bilan humain de la Seconde Guerre mondiale est alarmant au regard des nombreuses conséquences enregistrées. La phrase de transition, vous devez forcément annoncer la prochaine étape de développement. Donc le prochain problème. C'est ce que j'ai fait ici. Mais qu'en est-il du coût économique? Vous voyez, en haut on a parlé du coût humain. En bas, on va parler du coût économique. Mais avant, je l'ai énoncé dans la phrase de transition. Et voilà. Après la phrase de transition, elle est là. Elle est là, la phrase de transition. Après la phrase de transition, on saute une ligne, juste une seule ligne. Une ligne, vous revenez ici à la ligne. Mais vous sautez une ligne, vous revenez sur la prochaine ligne à la ligne. Et là, vous faites la phrase chapeau. Toujours, avant de développer des arguments d'un problème, on énonce d'abord ses arguments. Donc, la phrase chapeau, le bilan de la Seconde Guerre mondiale est marqué par des pertes matérielles et financières. Ça, c'est sur le coût économique. D'une part, pourquoi j'ai pris d'une part? Car Nous n'avons que deux arguments à développer. Nous avons matériel et financier. Donc, j'ai pris deux arguments, deux connecteurs logiques qui se suivent.
On a pris d'une part sur le bilan économique, on a enregistré plusieurs pertes matérielles. Là, je mets évidemment connecteur logique d'explication. Ne l'oubliez pas. Connecteur logique d'explication. Nous avons en effet, évidemment, effectivement et bien d'autres. Ensuite, après l'explication du premier argument, nous devons avoir d'autre part. Si vous voulez vous remettre premièrement ou ici, deuxièmement. Mais c'est pas grave, je mets d'une part et d'autre part. D'autre part, c'est pour l'autre argument. D'autre part, cette guerre a aussi causé des dommages sur le plan financier. Premier paragraphe sur le plan matériel, deuxième paragraphe sur le plan financier. Toujours connecteur logique d'explication avant de commencer à expliquer l'argument. Mais avant, on l'énonce. Voilà, d'autre part, cette guerre a aussi causé des dommages sur le plan financier. Effectivement, le financement de la Seconde Guerre mondiale a été assuré par le recours à l'emprunt. Et vous finissez l'explication. Ensuite, lorsque vous allez finir ces deux arguments, vous repartez pour la phrase de transition. Elle est ici. Elle est là, la phrase de transition. Après avoir parlé de la Seconde Guerre mondiale, nous allons par la suite voir ce qu'il est du bilan moral. Toujours annoncer le prochain problème que vous allez développer. Toujours annoncer. Après la phrase de transition, vous sautez une ligne. Vous sautez une ligne. Ici, j'ai sauté une ligne. Donc, vous sautez une ligne. Je ne sais pas si j'ai sauté. Voilà, là, ça montre quand même qu'on a sauté. Vous sautez une ligne. Après, vous revenez sur la prochaine ligne à la ligne. Vous voyez, c'est à la ligne. C'est pas, ça ne vient pas jusqu'ici. C'est à la ligne. Ça, c'est sûr. Voilà. Sur les feuilles, vous pouvez aller à deux carreaux. Ou si vous avez commencé par trois carreaux, vous repartez à trois carreaux. Ok. Ici, nous allons parler du bilan moral. Le bilan moral de la Seconde Guerre mondiale, j'ai oublié moral ici, désolé. Moral. Le bilan moral de la Seconde Guerre mondiale est marqué par la montée du traumatisme et le procès de Nuremberg. Ok, j'énonce d'abord, ici c'est la phrase chapeau, j'ai énoncé mes deux arguments. Qu'est-ce que je vais parler à propos du bilan moral? Je vais parler de la montée du traumatisme et le procès de Nuremberg. Ok. Ensuite, je commence le développement. J'énonce d'abord mon premier argument. S'agissant de la montée du traumatisme, cela s'explique par des horreurs de la guerre. Et j'ai mis encore mon connecteur logique en rouge. Connecteur logique d'explication. En effet, le 25 janvier 1945, on a découvert un camp d'extermination, etc. Ensuite, après l'explication du premier argument, vous revenez au deuxième argument. En ce qui concerne le procès de Nuremberg, qui s'est tenu le 20 novembre 1945, au 1er octobre 1946, en ce qui concerne le procès de Nuremberg, qui s'est tenu, voilà. Et si vous annoncez aussi l'argument et ensuite vous l'expliquez. Effectivement, il a impliqué 12 personnes qui étaient accusées de crimes contre la guerre, plan concerté et tout, etc. Après avoir expliqué le troisième problème, il n'y a pas de transition. Pas de transition. Donc, après, vous sautez deux lignes ici. Donc, vous sautez deux lignes ici. Sur votre feuille, vous sautez deux lignes. Pour commencer la conclusion. On n'écrit pas conclusion, non, pas du tout. Pour commencer la conclusion, vous sautez deux lignes et vous revenez à la ligne. Ici aussi, c'est un connecteur logique. Nous avons en somme, enfin, infiné et bien d'autres, et plusieurs connecteurs logiques pour conclure. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par faire le bilan. Il est là le bilan. Il suffit de retenir que le bilan de la Seconde Guerre mondiale est inquiétant. Car il y a eu des conséquences sur plusieurs plans, tels que humain. On nous a demandé humain en haut, économique. On nous a demandé économique en haut et moral. Par conséquent ici, c'est... Attendez, on va mettre ça à la ligne. Par conséquent ici, c'est l'ouverture. C'est ce que je vous ai parlé en haut, l'ouverture du sujet. Par conséquent, c'est l'ouverture du sujet. Par conséquent, qu'est-ce qui a été fait pour éviter
une troisième guerre mondiale. C'est ça l'ouverture du sujet. Ce n'est pas rester juste figé sur le sujet qu'on nous a donné. C'est l'ouvrir. Ouvrir d'autres portes, d'autres sujets. C'est ça le... Et nous avons fini notre petite méthodologie sur l'histoire. Et la prochaine vidéo, je vous ferai une vidéo sur sujet de type 1 et 3 en géographie. N'hésitez pas à partager la vidéo et la liker. Merci.